J'aimerais vous présenter aujourd'hui un dessin de Tommy Ungerer qui provient d'une série appelée Click-Clack, publiée en 1989, qui a aussi connu une édition en allemand sous le titre de Schnipp-Schnapp. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une série de dessins collages, plus précisément. À savoir que Tommy Ungerer, dans un esprit très ludique, hérité aussi du surréalisme, a créé un univers fantasmagorique, un univers fantastique, absurde, surréel pourrait-on dire, de figures et de formes, en associant le dessin à l'encre de Chine et le collage. Ce sont des collages qu'il a fait à partir de découpages dans des magazines, dans des catalogues de vente par correspondance, un petit peu partout, dans des ouvrages, dans des livres qu'il avait dans sa bibliothèque. Ici, nous avons un exemple de ces dessins collages. C'est un personnage à tête de pince de homard, un assemblage pour le moins hétéroclite. On ne peut pas dire qu'il y ait une arrière-pensée de satire sociale à ce dessin. Je pense qu'il s'agit plutôt du goût du Witz, comme on appelle cela en allemand, de Tommy Ungerer, le goût de la farce, le goût aussi du canular. Associer une pince de homard à un personnage humain relève évidemment de la pure fantaisie.